Et bonjour, ici Sébastien. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis vraiment content de vous présenter le nouveau film que j'ai reçu, soit Joker en combo Blu-ray-DVD. C'est pas compliqué, hein? Joker est mon meilleur film de 2019 qui met en vedette Joaquin Phoenix et Robert De Niro. Évidemment, comme ça dit dans le film, c'est une présentation de l'évolution du personnage pour devenir le super vilain Joker, qui est l'antagoniste de Batman. Donc, vraiment une performance exceptionnelle que je vous invite chaudement à vous procurer. C'est vraiment un film qui vaut vraiment la peine. C'est distribué par Warner Brothers et on peut se le procurer en magasin à partir du 7 janvier 2020. Donc, voici un peu plus près la pochette. Voilà, avec un demi-visage du Joker. Vraiment un très très bon film. On voit également la fameuse scène qui la descente des escaliers, hein, que même si on n'a pas vu le film, je crois qu'on l'a vu la scène un peu partout sur les internets. On a également quelques images provenant du film. Voilà. Je vais vous le déballer. Je vais vous montrer à quoi ressemble l'intérieur de la pochette. Voilà. Avant, je vais vous montrer que c'est presque sans pareil en avant, mais à l'arrière, sur la pochette cartonnée, il y a quelques images supplémentaires. Sinon, je peux dire que c'est un film de 122 minutes. Ensuite, oui, on retrouve des pistes sonores en anglais, Dolby Atmos True HD. On a également une piste française et espagnole qui sont incluses. Au niveau des suppléments, on a un making-of, behind the scenes. On a également un aperçu de la création du film, des scènes alternatives avec Joaquin Phoenix, pardon. On a également des tests de costumes et c'est qu'est-ce qui complète en fait les suppléments. Donc, voici comme qu'on peut voir en arrière, là, la liste des suppléments sont mentionnés ici. Voilà. Sinon, à l'intérieur, on a un feuillet avec à l'arrière le code de la copie digitale et évidemment le film en format Blu-ray et en format DVD. Voilà. Donc, évidemment, hein, si vous êtes un amateur des films de DC Comics, celui-ci est vraiment un film indépendant qui n'a aucun lien avec les autres longs métrages de l'univers de DC. Vraiment un film indépendant, mais qui vaut vraiment la peine. Une performance magistrale, hein, de Joaquin Phoenix, donc dans le rôle évidemment du Joker. Un film, comme je vous l'ai dit, qu'on peut se procurer en magasin à partir du 7 janvier 2020 et c'est distribué par Warner Brothers. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi, est-ce que vous aimez et aussi, avez-vous vu le film Joker? N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!